L'humanité a accompli de nombreuses réalisations révolutionnaires au fil du temps, mais il existe encore de nombreux secrets du passé qui défient les scientifiques du monde entier. Cette vidéo présente 8 structures anciennes qui déconcertent encore les experts aujourd'hui. Comment nos ancêtres ont-ils pu construire ces structures monumentales sans la technologie et les connaissances modernes? Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces sites mystérieux et quelles lacunes dans notre historiographie peuvent-ils révéler? Plongez dans le monde de l'archéologie et découvrez avec nous les mystères non résolus du passé. Ollantaytambo. À première vue, l'affaire semble claire. Situé dans la province péruvienne d'Urubamba, Ollantaytambo est un exemple parfait de l'architecture de l'Arauca. Plusieurs centaines d'années après sa construction, les bâtiments et les terrasses se présentent encore dans leur splendeur d'origine. La subdivision méticuleuse montre que les différentes installations administratives, agricoles et militaires étaient très clairement délimitées les unes des autres. Cependant, les experts se disputent encore pour savoir qui a réellement créé l'Ollantaytambo original. Il est concevable que le site ait en fait été construit par la culture Tiwanaku. Les Incas ne se sont donc assis que plus tard dans le nid qui avait déjà été fait. Cette théorie est surtout étayée par l'âge des pierres utilisées. Selon cette théorie, le mur des 6 monolithes est plus ancien que les Incas eux-mêmes. De même, certaines décisions stylistiques, comme par exemple les décors en forme de T et le motif frappant de l'escalier, plaideraient en faveur des Tiwanaku en tant qu'auteurs. Les saillies de pierre, communément appelées boutons, ne sont pas moins déroutantes. Ces protubérances, tantôt anguleuses, tantôt arrondies, sont interprétées par la plupart des historiens comme étant ce que l'on appelle des Intiwanatanas. Il s'agit de pierres rituelles qui servaient de cadrans solaires spéciaux. Le problème est qu'à ce jour, nous ne savons pas comment ces cadrans solaires auraient pu fonctionner. D'autres chercheurs, cependant, pensent que les protubérances avaient un but plus pratique, car elles facilitaient l'abaissement des blocs qui pesaient des tonnes. Et à propos de lourds comme des tonnes, compte tenu du fait que la construction du complexe aurait nécessité une force presque inhumaine, les préastronautiques pensent qu'Ollantaytambo a en réalité un arrière-plan extraterrestre. Ainsi, ni les Incas ni la culture Tiwanaku n'auraient été capables de construire de telles structures avec les outils de leur époque. Les structures monumentales parfaitement achevées prouveraient une fois de plus que les anciens ont reçu dans leur projet une aide qui ne venait littéralement pas de ce monde. Nan Madol. Située sur 92 îles artificielles dans le Pacifique Sud de la Micronésie, Nan Madol n'est pas interprétée comme une ville au sens classique du terme. Si l'on suit les explications des experts, le site est plutôt né comme un centre rituel isolé, qui était destiné exclusivement à l'élite politico-religieuse. Ce qui est certain, c'est que l'histoire du peuplement de la région remonte à au moins 3000 ans. Construite sur un récif corallien, on sait cependant très peu de choses sur les structures monolithiques de Nan Madol. Cependant, les blocs de pierre massifs étaient peut-être beaucoup trop lourds pour avoir été déplacés sans engin mécanique. Les mythes et légendes les plus passionnants ont toujours circulé au sein de la population locale au sujet de la construction de Nan Madol. À cet égard, on parle notamment de magie noire et d'une race perdue venue d'un continent aujourd'hui disparu. Skara Brae. Bien que l'établissement néolithique de Skara Brae ait probablement vu le jour entre 3100 et 2500 avant notre ère, il faudra attendre 1850 pour que le véritable site soit redécouvert. À cette époque, une violente tempête a fouetté l'île écossaise des Orcades, ce qui a non seulement coûté la vie à plus de 200 personnes, mais a également mis au jour les bâtiments oubliés depuis longtemps. Si Skara Brae est depuis surnommé le Pompéi de l'Écosse, c'est en raison de l'état de conservation extraordinairement bon du site. Les recherches archéologiques ont montré qu'on y élevait autrefois du bétail, qu'on y pratiquait l'agriculture et qu'on y cuisait du pain. Et bien que les 8 habitations de Skara Brae nous donnent un aperçu authentique de la vie du néolithique écossais, leur histoire exacte reste encore un mystère. Des restes humains, des sculptures et une tête de taureau ont alimenté les théories sur les anciens rituels religieux. Mais la raison pour laquelle les habitants ont abandonné le village il y a plus de 4000 ans reste incertaine. Il est possible que ce soit à cause de l'empiètement des dunes ou d'un événement inconnu aux proportions catastrophiques. Stonehenge. Lorsqu'il s'agit de structures énigmatiques du passé, Stonehenge est en quelque sorte un classique monumental. Construit il y a plus de 4000 ans près de la ville anglaise d'Amesbury, les mégalithes massifs érigés en structures cohérentes nous laissent encore très perplexes. Cependant, la question de savoir comment ils ont été construits est loin d'être le seul mystère qui accompagne Stonehenge. L'objectif initial de la pierre fait également l'objet de discussions animées. Les théories en la matière vont d'un lieu de sépulture ou d'un lieu de culte comparable à un observatoire astronomique. Les experts ont confirmé que les plus grosses pierres, qui pèsent chacune jusqu'à 30 tonnes, proviennent des Marlborough Downs, à une bonne trentaine de kilomètres de là, tandis que les plus petits blocs ont été apportés du sud-ouest du pays de Galles. Cependant, on ne sait pas comment ils ont finalement été transportés jusqu'à l'endroit prévu. Moai. Pourquoi les anciens habitants de l'île de Pâques ont-ils créé ces statues de pierre colossales que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Moai? En fait, les experts n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur une réponse unifiée à cette question. Ce qui est certain, c'est que les Moai, qui étaient probablement plus de 1000 à une époque, n'ont pas été créés seuls, mais faisaient partie de plateformes cérémonielles plus importantes. On peut imaginer que les colosses de pierre étaient censés représenter les ancêtres sacrés ou les chefs honorables afin de combler le fossé entre le monde des vivants et celui des morts. Le fait que la production des statues se soit apparemment arrêtée d'un jour à l'autre est particulièrement mystérieux. Certains historiens estiment que l'arrêt de travail a été précédé d'un conflit entre les artisans et les fournisseurs de nourriture. Une légende locale de l'île de Pâques raconte qu'une vieille sorcière a un jour attrapé une énorme langouste et l'a apportée aux ouvriers en leur demandant d'en garder un petit morceau pour elle. Cependant, les tailleurs de pierre mangèrent entièrement la langouste, et lorsque la sorcière s'en aperçut, elle maudit les figures qui s'écroulèrent toutes en conséquence. Des têtes colossales. Dans les années 1940, des archéologues mexicains ont retrouvé les premières têtes colossales en pierre provenant des rangs de la culture Olmèque. Entre-temps, 10 de ces témoins massifs ont été ramenés à la lumière du jour, certains d'entre eux mesurant 2,85 m de haut et pesant 25 tonnes. Récupérés à San Lorenzo, le plus ancien centre cérémonial de Mésoamérique, les crânes auraient été créés sur une période de 100 ans seulement. Bien que chaque tête ait été sculptée dans un seul bloc, elle présente des caractéristiques légèrement divergentes. Un fait qui suggère que les personnages ont été modelés d'après de véritables humains. Ces artefacts constituent l'un des rares indices de l'histoire de la civilisation Olmèque, qui a connu un déclin rapide il y a plus de 2000 ans et a pratiquement disparu de la scène terrestre. Les pierres directrices de Géorgie. Situées dans l'État américain qui leur donne son nom, les Georgia Guidestones ont parfois été qualifiées de Stonehenge de l'Amérique. Un titre, cependant, qui ne collait pas vraiment au vu de l'année de construction, 1980. Avant que la structure ne soit détruite par un attentat à l'explosif au cours de l'été 2022, les badauds ont pu jeter un coup d'œil aux 10 inscriptions étranges, qui étaient répertoriées dans 8 langues différentes. Par exemple, les tablettes indiquaient que la population mondiale devait être réduite à un nombre de 500 millions. En outre, l'humanité restante devrait être unie à l'aide d'une nouvelle langue commune. En fin de compte, chaque nation ne devait s'occuper que de ses propres affaires. Les litiges de portée internationale devaient être réglés par un tribunal mondial. L'identité du commanditaire final de la construction des Georgia Guidestones n'a pas été élucidée avec certitude. Ce qui est certain, c'est que l'entreprise de construction qui a suivi a été approchée par un homme qui se faisait appeler Robert C. Christian, et qui a été auditionné au nom d'un petit groupe d'Américains loyaux. Pumapunku. Apparu au VIe siècle de notre ère, le monticule plateforme de Pumapunku, en Bolivie, a été utilisé à la fois par la culture Tiwanaku et par la civilisation Inca. La précision inégalée avec laquelle les différents éléments ont été sculptés semble si parfaite qu'elle peut même être comparée à celle des lasers modernes commandés par ordinateur. Mais comment cela est-il possible? Après tout, les constructeurs de l'usine ne connaissaient pas encore cette technologie. Comme vous pouvez l'imaginer, les pré-astronautes ont leur propre opinion sur Pumapunku. En conséquence, c'est l'une des preuves les plus importantes de la justesse du courant parascientifique. Selon ce courant, Pumapunku n'aurait pas du tout servi de patrie à des habitants humains, mais à des êtres extraterrestres. Cette thèse audacieuse est contrecarrée par les critiques selon lesquelles les adeptes de la préastronautique ont malheureusement trop souvent tendance à sous-estimer désespérément les capacités architecturales des indigènes terrestres. Alors les amis, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous des bâtiments passionnants que nous vous avons présentés aujourd'hui? Connaissez-vous d'autres bâtiments du passé qui nous laissent encore perplexes? Comme toujours, Faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de vous abonner pour en apprendre bientôt plus sur les plus grands mystères de l'histoire. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos passionnantes de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images ici dans le générique et maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois.